Hors de question d'abandonner. C'est clair. Je vais sauver Marie. Je suis morte ici, pleine de remords. Mais grâce à vous, tout ça est derrière moi désormais. Alors, tu t'en vas ? Pas le choix. Plus rien ne me retient ici. Désolée, je vous accompagnerai pas jusqu'au bout. C'est pas grave. Même dans cet état, j'ai du mal à croire qu'il y a une vie après la mort. Franchement, si c'était le cas, tout le monde mourrait avec plaisir. Allez, profitez bien de la vie. Allons-y, partenaire. Donc Erika était la seule personne qui retenait Rinko ici. Maintenant que tout est réglé, elle a dû partir. Est-ce que ça va t'arriver à toi aussi ? Possible. T'avais pas dit qu'il cherchait à faire revenir sa famille ? Tu l'as entendu comme moi. Pour lui, les corps ne sont que de vulgaires enveloppes. Il s'en sert comme des pions. On est vraiment obligé de l'affronter ? Oui. Comme tous ceux qui s'opposent à nous. Point barre. Choix.
Inutile de me remercier. Je veux simplement que tu survives. Vous abandonnez tous les deux. M'a déchiré le cœur. Mais tu es fort. Je savais que tu allais t'en remettre. On dirait un de ses souvenirs avec son âme. Maman est partie. Mais je vais te prendre la tête. Tu n'as pas atteint tout de suite. Et regarde, ta mère ne nous a pas vraiment jeté. Les mains lui refusaient d'accepter ma mort. Ça le rendait fou. Maintenant ! Te rendre heureuse. C'était sa foi. À présent, entre dans le réceptacle. Quoi ? Non ! Tu es fou ! Je fais tout ça pour te rendre heureuse. C'est trop massacre. Ouais. Bon sang. Mais qu'est-ce qu'il a en tête, ce type ? Bonne question. C'est pas que j'ai pitié d'elle, mais... autant mettre fin à ses souffrances. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas descendu cet enfoiré. Hors de question que je disparaisse avant. Tu cherches seulement à protéger ta famille, hein ? T'es un bon père. J'essaie. Une fois à l'intérieur, on ne peut plus faire demi-tour. Alors prépare-toi. Alors, t'as pensé à moi ? Non, t'as besoin de rien. Allez, c'est parti. Tout le monde a disparu, ici aussi. Notre suspect doit pas être bien loin. Ouvrons l'œil. Tu dis ça. J'ai entendu une voix, celle de Marie. Il cherche sûrement à te retourner le cerveau.
quoi encore? Akito? Akito! Allons-y! Marie, c'est vraiment ce que tu penses? Akito, est-ce que... Tu as tort. Tu as tort! Akito, arrête ça! Que j'étais un père modèle. En fait, je suis loin de l'être. Dans ma tête, je me suis dit que le boulot était le seul moyen de protéger ma famille. Du coup, j'étais rarement à la maison. On est devenus comme des étrangers. Il n'y a pas longtemps, j'ai rapporté un jouet à mon gosse. Il n'en a même pas voulu. D'ailleurs, les belles voitures, ça n'intéressait plus. KK. Mais là, je vais me battre pour eux. Je vais les protéger, coûte que coûte. Marie! Cette marionnette n'a même pas été capable de vous ralentir. Espèce d'enfoiré! La mort du corps est un phénomène naturel. C'est en délestant notre âme de son fardeau corporel que nous retrouvons notre véritable forme. Tu peux croire à toutes les conneries que tu veux. Mais... en impliquant des personnes innocentes... t'as dépassé les bornes! Les gens refusent toujours la vérité lorsqu'ils y sont confrontés. Toutefois... vous finirez vous aussi par comprendre... à quel point ces enveloppes terrestres sont insignifiantes. Laisse-la tranquille! J'ai toutes les âmes dont j'ai besoin. Je les utiliserai pour briser la barrière entre la vie et la mort. Ta sœur est l'élément ultime, la clé du renouveau. Tu devrais être fier. T'approche pas d'elle! La chute de la barrière annoncera la renaissance de ce monde. Je fonderai alors un nouveau paradis, quoique des plus modestes. Un lieu où les âmes de ma femme et ma fille pourront briller pour l'éternité. Tu peux toujours rêver! Oh, je viens d'avoir une merveilleuse idée. Je créerai aussi un paradis pour cette jeune fille. Les esprits aussi résolus que le sien sont rares. Peut-être règnera-t-elle même sur ce nouveau monde. La Marie d'une nouvelle ère. Non, sa nouvelle ère. Épargne-moi tes délires de malade! T'es complètement cinglé! Le suis-je réellement? Lui as-tu demandé? Pourquoi es-tu persuadé que son esprit veut retrouver son enveloppe? Je... t'es-tu seulement demandé ce que pouvait endurer ta sœur dans cet état? Être prisonnière de ce corps ne fait que prolonger sa lente agonie.
Je n'en sais rien. Hé ! Arrête d'écouter ces conneries ! Si on le tue pas maintenant, le monde est foutu ! Akito ! Reprends-toi ! L'heure est proche. Le monde est sur le point d'être transformé. Une nouvelle ère va commencer. Encore un peu de patience. Bientôt, mon rêve deviendra réalité. Lève-toi ! Rattrape-le ! Marie... Qu'est-ce que tu veux ? Ne laisse pas te manipuler ! Lève-toi ! Debout, ou je t'abandonnerai pour devant ! C'est tout ce que t'as dans le ventre, Akito ! De découvrir que t'as fait tout ça pour rien. T'as peur d'entendre sa vérité. Qu'est-ce que t'en sais, toi ? Rien du tout. J'ai aucune idée de ce que ma propre famille pensait. C'est pour ça que tu dois en avoir le cœur net. Keke. Je n'abandonnerai pas maintenant. Je peux compter sur toi. Ok. On y va. Je ne peux pas mourir maintenant. Je dois savoir. Je m'en occupe. J'en ai fait des choses, mais jamais j'aurais pensé m'ôter la vie. KK. En avant.
Il est temps de plonger dans l'abîme. Ok. C'est parti. Bien. C'est glauque, l'abîme. En même temps, ce serait pire si ça avait l'air sympa. T'entends ça? On dirait... de l'eau. Le prochain examen sera tous les 6 mois. On verra à ce moment-là comment ça se passe pour vous. Des souvenirs. Mais de qui ? Et c'est une fille. Bientôt, tu vas devenir grand frère. Tu es vraiment très douée, Marie. Et en plus, tu ranges et tu nettoies tout, comme une grande. C'est... mes souvenirs ? Si on t'embête à l'école, tu me le dis, d'accord ? D'accord. On est où ? Dans notre école primaire.
vais voir mes copains. Rentre à la maison, d'accord ? Les souvenirs de Marie. Franchement, tu te prends trop la tête. Pas du tout. C'est pour l'anniversaire de mariage de papa et maman. On pourrait offrir des cadeaux assortis, t'en dis quoi ? Tout ça semble si loin aujourd'hui. Mais oui, arrête de toujours t'imaginer pire. Dernier festival romantique. Putain. Akito, baisse pas les yeux. Maman va s'en sortir, hein ? Je veux pas qu'elle s'en aille. Pourquoi est-ce que tout le monde s'en va ?
papa et maman sont réunis pour toujours. Ça va être un nouveau départ pour nous. Oui, t'as raison. À combien de nouveaux départs on va encore avoir droit. Hélas, même pas un départ. C'est juste une descente aux enfers. Il y a tellement de marches. Ça se termine un jour. N'aie pas peur. Ça va aller. Jusqu'où ça descend, tout ça? Finir une bonne fois pour toutes. Comme ça, on pourrait retrouver maman et papa. Dis pas ça. Continue d'écouter, Akito. Tu voulais savoir ce qu'elle ressent. Akito. Ça va. Il faut que je retrouve Marie. T'as raison. Tu dois absolument la protéger. Ouais. Finis de fuir. Bien mené quelque part. On y est. Ouais. Il est là derrière. Et ta sœur aussi. Mm-hmm.
T'es prêt? C'est dommage. Vous n'arrivez aucunement à apprécier les merveilles du voyage qui attend ceux que vous aimez. Je suis ici pour parler à Marie. Tu ne m'arrêteras pas. Ah, et comment comptes-tu t'y prendre? Il y a longtemps qu'elle a cessé de parler. Arrête! Que le cours du temps s'arrête. Que se passe-t-il ? Serait-ce sa faute? Non! La cérémonie doit continuer! C'était pas ta faute.
journée pour... pour ça. Les deux royaumes sont enfin connectés. Une fois les âmes de l'humanité libérées de leur prison mortelle, elles seront purifiées. Je vais enfin être réuni avec ma famille. Nous vivrons dans un paradis éternel. Libérés du deuil et du chagrin. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Yeah.
Désolé, mon vieux. Mais le gamin est déjà occupé. Tu vois ? C'est plutôt agréable, d'ailleurs. Le secret, c'est d'apprendre à cohabiter. Ouais, gamin ? Ouais. Mais toi, t'es trop allumé pour le comprendre ! Était piégé ici. Piégé ? Ça veut dire que... Ouais. Elles étaient uniquement séparées de leur corps. Les choses devraient revenir à la normale. Pour tout le monde. Sauf Marie. Tu es mort. Le 10 décembre. Et maman, le 9 juin. Je n'ai pas oublié. Comment aurais-je pu oublier votre mort ? Je dois arrêter de refouler mes sentiments. Je dois vivre. Et apprendre à accepter. Faiblesse. On se reverra. J'aurai vécu pleinement, ma fille. Je te le promets. À laisser la garde avec ta famille. Hein. Et toi, t'as pas appris à te taire, apparemment. Je veux que tu fasses un dernier truc pour moi. Quoi ? Explique tout à ma famille. Dis-leur que j'ai jamais baissé les bras. Jamais. C'est d'accord. Promis. Hé. Hey. Désolé de t'infliger ça. Je le ferai bien, mais... Je me sens un peu faible.
KK ? À l'avenir, évite de te faire posséder, Akito. La plupart des spectres ne possèdent pas mon charme. Ouais, t'es un vrai tombeur. Impossible de t'oublier. Tu devrais être reconnaissant. Repose en paix.